Salut à tous, nouvelle vidéo du Let's Play de Koudelka. Comme vous pouvez le voir, le timer est à 5,50, donc à chaque fois, enfin, je pense que ça sera la dernière fois avant un bon bout de temps, puisque la prochaine ce sera au bout de 11 heures, donc on a encore pas mal de temps devant nous. Donc on va essayer de le réussir du premier coup. En général, ça va, j'y arrive, mais on sait jamais, on sait jamais. Alors là, le truc, c'est que j'ai un petit peu galéré pour gagner des objets. Donc on s'est arrêté vers les 5, 20, 25. Là, ça me laissait 25 minutes ou maximum une demi-heure pour essayer d'atteindre le nombre d'objets. Donc là, c'est 32 en fait. J'avais 26 objets, donc il m'en fallait encore 6. Donc gagner 6 objets en 30 minutes, je vais me dire, bah, ça va. Et ouais, ben non, ça va pas, j'ai beaucoup galéré, j'ai pas eu de chance. Donc j'ai quand même réussi à en gagner 4. Et je sais que dans la pièce d'après, il y en a 2, puisque je suis allé trifouiller un petit peu. Donc il va falloir que je récupère les deux objets en moins de 5 minutes et que je revienne sauvegarder pour espérer gagner un objet inédit. Donc c'est parti. Donc en plus parce que je suis limité par le nombre par le nombre d'endroits où je peux aller, parce que je peux aller qu'en reculant, je peux pas aller en avançant parce que ça serait con d'avancer et de pas vous montrer la suite du jeu. Donc là, c'est pour ça que je vais les récupérer maintenant et que j'ai dû chercher un petit peu des nouveaux objets. Alors, on s'était arrêté là, donc là il y a un objet. Arbalète, là il y en a un autre, mais bon, on l'a déjà, donc là on reste à 31, et là il y a le dernier 32. On va essayer de retourner sauvegarder sans combat. Voilà, on va se mettre plutôt comme ça. Voilà, on sauvegarde. Voilà, donc de côté c'est pas plus mal que j'ai un petit peu exploré, parce que sinon j'aurais galéré pour gagner deux objets en moins de 5 minutes. Hein. Je pense que c'était même impossible. Enfin, à moins d'avoir une chance exceptionnelle. Je pense que je préfère la garder cette chance pour d'autres choses. Alors, on en est où là? Donc, objet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 32. Donc nous avons nos 32 objets. Nous pouvons donc faire l'astuce. A noter que j'ai gagné un niveau juste avant, après mon dernier combat en fait. Donc du coup j'ai ma vie et mes points de magie qui ont été restaurés. Donc là, on va attendre un petit peu. 5,51. Ah bah ça va, je croyais être à la bourre, je suis en avance. On va regarder s'il y a quelque chose de plus intéressant à mettre à mes personnages. Pour moi, c'est pas le cas. Voyez, le même objet, eh ben, il a des stats différents. C'est un truc de fou. Alors, donc, le point mystique. Voilà, t'as sacré force. Hein. Tac, tac, tac. Armure de feu, rien d'autre. Anneau de terre, est-ce que la branche de feu. Oula, non. Branche de feu. Non. Toi, la masse, on ne touche pas. Chemise. Chemise, on ne touche pas. L'anneau de Bessie. Non plus. Et anneau de terre. Bon, bah voilà, bah, mes personnages sont au maximum possible avec les équipements que j'ai actuellement. Alors, c'est un petit peu chiant d'attendre, c'est vrai, mais bon, ça va, c'est 5 minutes. On va essayer de réussir du premier coup en plus, parce que putain, sinon il va falloir que je recharge la partie. Donc, à noter que voilà, James, niveau 3 de soleil, le reste, bon, c'est plutôt calme. Koudelka, elle a presque niveau 2 en soleil, c'est beau à savoir, comme ça je vais utiliser le soleil. Et Edward, lui ça va, soleil aussi, Mégaline.
De toute manière, comme je fais attention de ne pas détruire mes armes, parce que ça m'embêterait bien, hein, si vous avez 32 objets et que le dernier coup que vous portez à l'ennemi, bah, vous le tuez. Enfin, vous cassez l'arme surtout, que vous le tuez, on s'en fout. Mais si vous cassez l'arme, ça va vous manquer, il va vous manquer un objet, donc je fais que des magies, c'est pour ça que les magies sont assez élevées. Alors, nous sommes à 5,53. Donc, on va sortir. On va rentrer. Et on va patienter. Nous sommes à 5,53, 59. Allez, on va attendre quelques secondes. Donc, à peu près, hein, grosso modo. Donc, moi, c'est bien parce que j'ai le temps. J'ai mis le temps de la vidéo là. Ça fait presque 6 minutes que la vidéo a commencé. Alors, on en est où là? Inutile de tenter le diable. Alors, je crois que c'est le dernier objet que je connais pas. Parce que c'est vrai que moi, comme je vous avais dit précédemment, j'avais commencé au bout de 10 heures. D'ailleurs, c'est pas 11 heures, le prochain c'est 10 heures. 10 heures, 10 minutes, 10 secondes. Et j'avais obtenu un bon objet, je me rappelle plus trop. Oh merde, j'ai quitté, je suis sorti. Hop. On rentre. Allez, on rentre. Alors, on en est où là? On en est à 5,54. Voilà. Rappelez-vous, ne faites jamais annuler. Si vous faites annuler, il faut que vous ressortiez comme je viens de le faire et que vous re-rentrez. Et ça vous fait perdre du temps. Alors, bon, en fait, dès le début du jeu, vous pouvez vous obtenir, vous pouvez obtenir des méchants objets. Hein. Vous prenez, vous essayez de glaner quelques objets, essayez d'arriver à obtenir, je sais pas moi, 10 objets, et puis après vous essayez de jouer avec le temps. Bon, c'est nul, hein. Mais parce que bon, attendre 22 heures avant de commencer le jeu, c'est un peu nul, hein, mais bon. Et puis bah, du coup, vous pouvez commencer le jeu avec des armes géniales, hein. 55, 19. Bon, ça va, le mieux c'est d'avancer normalement et de le faire de temps en temps comme là, là, comme je fais. Alors, on en est où là? 29, 30, 31, 32, 33. Hop, hop. On en est où là? Alors, 38. La pression. En fait, c'est la pression de devoir recommencer. 45. Neuf, bon, on va pas tarder. Hop. 51. 52, 53, 54. Bon, 54. J'aurais pas pu tomber sur 55. Alors, j'annule et je rappuie. 55. Aïe 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 aïe. C'est beau de réussir du premier coup à chaque fois. On prend, on sauvegarde, ok. Bon, niveau 15, ça va. J'ai connu mieux, mais j'ai connu pire. On prend, on réinitialise. Et normalement, on a notre nouvel objet et on va pouvoir continuer dans la suite de l'histoire en fait. On va voir un petit peu ce que la suite nous réserve. Honnêtement, je me rappelle de cet endroit, donc c'est pas bon signe. Il doit y avoir une connerie quelque part. On va voir un petit peu.
En fait, c'est comme une surprise en fait, hein. Vous savez que vous avez droit à votre petit cadeau. Vous me dites, putain, j'espère que c'est un truc que j'aime. Allez, est-ce qu'on va entendre le bruit qu'on aime? Du-dum. Un peu le son. Et c'est beau, on a eu notre objet. Qu'est-ce qu'ils m'ont donné de bon? Bon, déjà, c'est pas une arme, c'est pas une armure, c'est pas un accessoire. Oh putain, un objet encore pourri là. Soupe de Tamako. Restaure tous les PV et points de magie. Ah, c'est élixir en fait. Bon. Bah, c'est pas mal. Allez, c'est parti, on avance, on continue. C'est fermé avec la clé rouge. Bon. Je veux dire, peut-être c'est fermé aussi, je sais pas où il faut aller. Hein. Alors, ici. Vous avez l'impression qu'il y avait une porte ici, mais plus avant. Vous devez chercher une porte ailleurs. D'accord. Bon, là, il y aura certainement une connerie à faire. Ah, beau combat à l'ancienne. On est presque oublié. Ils prennent le feu. Voilà, vous voyez, 822 à les niveaux, même pas 2 de feu. Donc, ouais, les insectes ils prennent le feu. Ah, Edward. Bon, Edward, normalement, le feu, lui, niveau 2. Écoutez, ben ça va. Je pense que je gère pour au niveau des combats aléatoires pour le moment, vers le prochain boss. Antidote. C'est cool parce que je crois que je l'avais plus cet objet. Force. Escalier. Il y a quand même un air énorme de Resident Evil, hein. Même s'il n'y a pas les portes qui s'ouvrent et se ferment. Voilà. Grand hélice. Je prends. Tac, 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 tac. Ah, alors là, je me rappelle de ça. Vous voyez quatre signes alignés. Alors vous avez vu. Putain, qui est con, j'ai appuyé. En fait, j'ai appuyé pour le message et ça. Vous avez vu ces signes-là? Espèce de bouteille, de trident, d'œil et de signes féminins, on va dire. Voilà. Vous allez voir à quoi ils servent. Je me rappelle de ce passage. Hein. Alors, là, on dirait qu'il y a des objets. Il y a un ours. Ah, j'allais dire, on peut pas les récupérer. Statue de lion. Et un ours en peluche. Une lettre ancienne. Alors, lettre ancienne. Rappelez-vous, pour lire des objets, vous allez lire. Lettre ancienne. Secret, douleur, aube, lumière. Bon, voilà. Bon. Pour moi, je sais pas si c'est une énigme ou si c'est un mec qui a craqué. De toute manière, ça, on le saura plus tard. Je veux dire par là que, vu qu'on n'est pas bloqué, c'est pas la peine de chercher des énigmes quand il n'y en a pas en fait. Ah! Alors, chevalier. Un truc bizarre.
bizarre. Allez. Attends, j'ai mis quoi? Ah ouais. Parfait, ce sont alignés, donc je vais utiliser mes magies. Une fois, je vous le répète, quand vous faites des magies qui ont un niveau supérieur à 1, ben en fait ça attaque les ennemis qui sont à proximité de l'ennemi que vous ciblez. Exemple, j'ai fait. Putain, quel con, j'ai décalé le chevalier. Là, ben en fait, voilà, si le chevalier ne s'était pas décalé, c'est. Ah, voilà, je pense, stop. Voilà, exemple, là, les deux ennemis sont alignés. Là j'ai visé le... Bizarre. Voilà, j'ai visé l'ennemi de gauche et ça va toucher aussi l'ennemi de droite. Et le tuer. En une seule attaque. Donc c'est... gagner un tour quoi. Et eux ils en perdent un. Si vous tuez l'ennemi, ça l'évite de vous attaquer. Ça vous évite d'être attaqué. Et du coup, bah, comme j'avais visé le chevalier... feu un ennemi, j'y enlève entre 500 et 1000. J'ai rien dit. Toujours le bon pour me contredire, c'est pas bien. 1200 avec le mégalithe. 1200, c'est un truc de fou, 1200. C'est la plus grosse attaque que j'ai faite depuis le début du jeu. Je voulais tester mégalithe. Allez, on voit les niveaux là. Non? Oh putain! Armure et javelot. Ah oh, bah c'est bon, j'ai gagné deux objets. Oh, je sais que si je recherche des objets, j'ai réussi. Alors, armure. Ah! Elle monte vraiment bien. Oh non, tu baisses, c'est nul. Toi, tu montes, tu as 36. Tu as 32. Donc, vaut mieux qu'on te mette un coup d'Elka. Tu bouges pas. Tu prends de la magie, mais tu baisses en. Non, c'est pas intéressant. Bon, bah, coup d'Elka, la vie, ça va. Coup d'Elka. Voilà. Alors, continuons. En tout cas, un bon petit jackpot. Ah, oh bah. Ok, je prends. Tablette de pierre. On continue. Donc là, je viens de là-bas. C'est pas une porte, ça? Oh putain! Quelque chose ne va pas. C'est rigolo de voir ça, en fait. Hein. Vous savez qu'il y a un boss. Bon. Bah, on y va. À tous les coups, si je clique à boss. Bon, sursautez pas. Ah, ça va. Il a joué calme, c'est pour les épileptiques. Ah, si vous mettez un pied de couille, ah, c'est une espèce de cri. Oh putain, qu'est-ce que c'est ça? Quand le caractère designer, il avait un sacré sens de l'humour. Bon, plante, feu. Ne cherchez pas plus loin. Moi, est-ce que c'est pour faire match? Excusez-moi. J'ai éternué. Ça va, tu crois qu'il va nous toucher là? Alors. Ok, on va y arriver. C'est bon. Feu. Bon, s'il craint pas le feu, j'ai perdu un tour. Voir de plus.
355. Et on fait quoi là? 600, 700, allez environ 800. Boss qui est vraiment pourri en fait. Oh, juste il m'emmerde avec Udelka avec son silence. Ouais, elle évacue toute sa frustration en lui mettant des droites. Elle est énervée la Udelka. Vas-y, je te fais face. Alors. Ouais, il va pas tarder à mourir. Hein. Voilà. Je suis déçu, je pensais que le feu ça lui ferait plus de dégâts. Pourtant, je me rappelle que c'est le feu hein, qu'il faut lui faire allure. C'est James hein. Bon bah silence aussi. Ah ça y est, Kudelka elle est guérie. Hop, trop de silence tue le silence. Allez fini une bonne attaque là. J'allais vous dire, on a récupéré pas mal d'objets bizarres, hein. Une tablette en pierre, une statue de lion, on a vu une énigme sur le... fait une lettre avec une énigme contre mur. Putain, on est overbooké, hein. Alors là, je pense qu'ils vont me parler. Donc je vais augmenter le son bien fort. Voilà, on va plus s'entendre, mais ça va. Alors, qu'est-ce que tu me proposes de beau, toi? 20, c'est faible 20. Donc déjà, 1 là, c'est sûr. Vitalité... Putain, 1600, ça va, tu gères. Agilité... Et allez, le chiffre rond, 40. Ah, bon, bah... De retour. Allez, bah... Tac.
Tac, tac. Et puis ça c'est les MP. On va t'augmenter l'agilité. Attends, tu as pris deux niveaux? Ah non, j'allais dire les autres ils ont pas pris de niveau. Je m'en boucanne vite. Moi. Alors tac tac tac. Agilité, agilité. Agilité, tac tac. C'est vrai que vu que je fais que des. Alors, James. Oula, là, c'est la décadence là. Chance. Non. Voilà. Te mettre deux en agilité. Corne de démon. Oh, c'est bien. Putain, c'est quoi la logique là? J'ai même pas bougé! J'ai même pas bougé! J'ai appuyé sur menu. Bon, bah vous allez vous prendre un menu, combat pile fort. On sait qu'il y avait. Oh putain! Non mais je sais qu'ils vont parler là, c'est obligé. Après les boss, en plus je me rappelle qu'il y avait une. Enfin, je me rappelle un petit peu de ce qu'il va y avoir après. Qu'ils doivent parler. Je leur ordonne de parler. Moi. Putain, j'appuie sur menu, ça déclenche un combat. Tu sais, ça m'arrangerait bien ça des fois, mais. Un truc de fou quand même hein. Ah là là là. Imprévisible hein, ce jeu. Mais ça c'est un mauvais délire parce que si vous sortez du boss que vous êtes en galère que voilà vous avez plus de vie, vous avez plus rien, vous dites bah ça va, il y a la sauvegarde là. Je vais pas me soigner. Et bam, vous prenez un bon ennemi. Aïe 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 aïe. Quel coup de pute. Allez. De fou ça. Ah. Vous Allez, n'hésitez pas à tout mettre en permanence sur le dos des païens. Est-ce que tous les hommes d'église sont comme vous? À quoi bon vous répondre? Mais il faut que vous. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est fini. Bon, alors là, si vous me dites que vous n'avez pas entendu, c'est que vous avez de sérieux problèmes aux oreilles. Hein. Parce que moi, putain, je me suis pris le lustre sur la tête, hein, tellement c'était fort. Alors, on en est où là? Fais voir. Si je fais. Bon, ça va. Ça largira pour mes oreilles. Alors, tac, 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 tac. On est à combien de vidéos là? Tranquille. 29, oh, ça va. Allez, alors vous avez vu qu'il y a une espèce de truc qui a sauté. C'est ça. Le bras de Daniel. Donc ça, c'est le plus important à récupérer, vous comprendrez plus tard. Donc. Je crois pas qu'il y a autre chose. Donc on nous a tiré dessus hein, au fait. Je sais pas si vous avez capté. Alors je crois que si je monte. Bon. On va aller voir. Monter. Normalement je peux. Hein. Les collègues de ceux qui étaient bleus, ça fait son même plus fort, bien sûr. Donc eux, comme ils sont trois, on veut faire, on veut faire des attaques de groupe. Comme
ça avec un peu de chance, vous les chopez, vous en chopez plusieurs à la fois. Moi c'est ce que je me dis. Voilà. Bon, ça va marcher. Sauf si avec cette attaque je le fais au même moment. Bon, mais il a reculé. Écoutez. Rigole pas là peut-être. Hein. Donc, si c'est à moi de jouer. Bouge pas. Voilà. Si à moi de jouer, normalement j'en éclate peut-être une, c'est du mieux. Bon. Déjà ça. Et deux. Faudrait que James situe celui à l'extrême droite. Comme ça. Ça m'évite de deux points de magie dans la tête. Ah d'accord, même s'il y a un truc d'écart entre les deux, je savais pas ça. Même s'il y a une case d'écart entre les deux, il peut les toucher. Ça va, ça. Attendez, c'est ça qui t'a fait comme ça. On aura des tchatchés là. Ouais, c'est un beau travail d'équipe, hein. Il y en a un qui a augmenté la magie et l'autre il m'envoie une magie. Bon, on va enlever zéro. Mais bon, la stratégie était bonne. Oh putain, il m'a encore fait silence, on est pas con. Oui, je sais que tu veux jouer Koudelka, je sais. Bon, j'ai vu le soleil, ça leur faisait rien. James, si je joue pas. Bon, lui au moins il m'en marre de plus. Et au troisième. À ce jeu, vous vous entraînez un petit peu, vous prenez quelques niveaux et vous pouvez vous régaler assez facilement. Bon, ça m'énerve qu'il ait pas joué là. Voilà, moi comme ça je suis sûr que la prochaine fois il jouera. Putain, mais je sais qu'on peut monter. Monte, voilà. Pourquoi elle voulait pas? Oh putain, ça vous rappelle des bons souvenirs ici, hein. C'est le début du jeu. Bon, ça sert à rien qu'on y aille pour moi, puisqu'on a... On a rien à y faire. Après, bon, je suppose, c'est toujours pareil. Si on vous donne la possibilité de revenir en arrière, c'est que plus tard, il faudra y retourner. Donc, on attend. D'avoir un objectif. Là pour le moment l'objectif, vous l'avez compris, on nous tire dessus, hein. On va se venger, hein. On va essayer de voir un petit peu déjà pourquoi on nous tire dessus, on a rien fait. Enfin, à part éclater la faune locale, mais sinon on fait rien de mal. Chance.
voilà, on va voir pourquoi on nous a tiré dessus et on va explorer le haut de l'étage là, on va voir un peu. Hein. Mais ça va nous servir certainement plus tard. Honnêtement, je m'en rappelle plus. Mais je pense que plus tard, ça va nous servir. On verra. Même coup d'Elka. Des objets là, des points d'expérience, prends tout. Poignard. C'est bien, c'est bien. Dans l'optique des 10 heures, il me faudra 43 objets. Donc c'est bon d'avoir le choix. Ok. Ah, j'adore ce jeu. Qu'est-ce que c'est vraiment une ambiance Resident Evil. Hein. En montant l'escalier, vous croisez un homme armé. Sans dire un mot, vous tirez. Je crois que c'était cool, oui. Bon, boss. Ok, bande de petits vénères, vous avez droit à deux boss dans la même vidéo. Alors, non, lui, je me rappelle qu'il est un peu chiant parce qu'il peut tuer un perso à un coup. Et pour l'atteindre, il faut détruire ces merdes là. Donc en avant, tout envoyer dessus. Allez, maintenant on peut s'attaquer au boss, donc on peut lui envoyer tout ce qu'on a. On va lui envoyer une mégalite. Ok. Bon, il a pas énormément d'HP. Ah, c'est sûr qu'à ce rythme là, ça va être chiant.
régler. Mégalith, il fallait pas. On va y envoyer soleil. Bon, on va pas les magies. Alors en fait des fois c'est pas qu'ils crèment pas les magies, c'est que j'ai pas assez augmenté le fait que mes personnages puissent le toucher, donc du coup je vais être un peu coincé comme ça. Alors hop, on va envoyer Edward, pourquoi encore, et je vais quand même essayer avec James de le toucher. Parce que James il est mon magicien le plus puissant. La force à Edward. C'est un peu plus. Alors logiquement, vous pouvez utiliser l'arbalète qui a énormément d'attaques physiques. Puissance physique. Puissance d'attaque physique vraiment énorme. Mais moi je la garde pour plus tard. La gargouille, quand vous lui faites des attaques magiques, bon, en fait vous le faites échouer, parce que admettons qu'on puisse le toucher, pour le toucher il vous faut bien plus que je sais pas moi 50 ou 60, il vous faut même 90. Droite, je sors de la prendre.
Fidelka, elle a une bonne défense physique. Hein. Ok. Pas mort ? Toujours pas. Hein. James, on va faire soigner Fidelka. C'est toute une question de stratégie. Hein. Oh, je pense que la prochaine attaque va mourir. Si tu as fait tout le monde, c'est un sort. Le boss précédent, il doit avoir 3500 de vie. J'ai éliminé les caisses et qu'il n'y avait plus de 1000 de vie aussi. Bon, je fais des calculs un peu d'apothicaire. On ne va pas tarder à faire une ou deux attaques. Deux attaques, hein. Une ou deux. Voilà. Je n'ai pas tué au niveau de la magie, mais. Donc, un conseil, économisez l'arbalète. Économisez-la. Vous en aurez plus tard besoin, mais. Pour le moment, ça va. Vous pouvez gérer sans. Alors. Ça sert à toucher son adversaire au combat. Ouais, ça sert à rien pour toi. Oh, sagesse, il était pas assez élevé. On peut pas le toucher. Ah, des flèches. La clé rouge, le vert marron. Oh, bah c'est bon. Alors. Donc là je vais augmenter le son parce que dès que je vais cliquer ça va blablater. Alors préparez-vous, j'augmente le son de ma télé. Voilà. Voilà, là vous devriez bien entendre ce qui se dit. Hop. Je te rappelle dans 5 minutes. Dans 5 minutes, je te rappelle. A de suite. Comme nous, quoi. Eh bien, expliquez-vous. Il est clair que ce voyou n'est autre que le monstre sanguinaire qui nous poursuivait. D'où venez-vous? De Hambourg? Et puis que m'importe, après tout, vous n'êtes qu'un sale voleur d'immigrés. Et vous avez sûrement le choléra, à coup sûr, comme les autres. Qu'est-ce que ça peut te foutre, d'où, pauvre connard? Écoutez, je me fiche de vos origines. Et je trouve aussi que c'est un connard. Mon Dieu. Mais avez-vous tué tous ces gens? D'accord. Je suis un immigré et un pillard. Et peut-être bien que c'est moi qui ai fait tomber le lustre sur vous. Mais c'est parce que je n'avais pas envie de partager le butin. Alors vous avez tué tous ces gens? Non! Je le jure devant Dieu. Laissez Dieu où il est. Pas le vôtre, sale bigot. C'est qui alors? C'est le couple. Vous savez, les gardiens du monastère. Comment? Je dis la vérité, je les ai vus. Ça fait un bout de temps que je suis là. Quand ils trouvent un pillard, ils le tuent à la hache. Tous ces pillards viennent sans armes, les crétins. Ils les attaquent par derrière. Mais si j'étais vous, je ferais attention. C'est incroyable, c'est incroyable. Croyez-moi. Les chanceux meurent sur le coup. Les autres, je les entends toute la nuit, éventrés, je les retrouve morts au matin. Oh, croyez-moi, de douleur, ils enfoncent leurs doigts au plus profond de leurs entrailles. Alors, croyez-moi ou ne me croyez pas, mais je dis la vérité, ces deux-là sont des démons.
J'ai l'air d'un truand, mais je ne suis pas un tueur. Plus l'apparence semble irréprochable, plus le cœur est froid et sans pitié, tout comme lui. Ah ! Ça suffit ! Ouais, bien vu pour un voleur. Vous êtes fou de croire cette crapule. C'est un assassin. Il a tué des centaines de gens. Nous devons le livrer à la police pour qu'il soit jugé par les autorités. Nous, on est fous ? Pourquoi ? Parce que c'est un immigré. Ou serait-ce parce que c'est une âme perdue ? Vous dites n'importe quoi, espèce de sale vieux bigot ! Ça suffit ! Ce que j'essaie de vous... crois ce type. Il y a des voleurs très honnêtes, vous savez. Mais... il a essayé de nous tuer. Donc... Oh, mon Dieu ! Pourquoi avez-vous fait ça ? Si notre vie n'est plus menacée, c'est une vie plus pour le Seigneur, non ? Mais si nous le laissons nous attaquer, c'est le camp des ignobles païens qui gagne. Qu'est-ce que vous préférez ? Bon. On va rebaisser. Voilà, aussi surprenant que cela puisse être, j'ai plus de voix, je vois un coup. Voilà, j'ai récupéré ma voix. Et ouais, ben, Edward a sa logique bien à lui. Alors. Putain, j'ai perdu ma voix là. Allez. Alors. Lâche-moi. Balle. Et le pistolet. Voilà. Tac, tac, tac. Alors, vous l'avez compris, tout à l'heure on a trouvé la clé rouge. Bon, là je vais vraiment baisser le son. Mettre un petit peu plus fort quand même, sinon on se fait chier. Hop. Attendre qu'elle descende les escaliers. Voilà. Voilà un petit peu. Voilà, tout à l'heure on a trouvé la clé rouge. Alors, on va regarder la vidéo, ça fait 53 minutes et tout là, ouais. On va y retourner, on va sûrement se frapper un combat, on va voir. Sinon, je vais sauvegarder. Putain, je suis où là? Hop. Ah bah parfait, on va sauvegarder là. Et on reprendra la partie plus tard, 53 minutes. Combat. Voilà. Voilà, bon, ben, sauf vers la fin où j'ai perdu un peu ma voix, mais sinon, dans l'ensemble, c'était une bonne petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous passez toujours un bon moment en regardant les vidéos de Koudelka. Vous avez pu voir que Edward a une logique bien à lui, hein. De toute manière, si on cherche à le tuer, ben, il cherche à se venger. Voilà, je vous dis à très bientôt. Pour les prochaines vidéos, donc ça sera pour en début de semaine prochaine avec les vidéos de Uncharted. Allez, je vous laisse, passez une bonne fin de week-end et puis ben à très bientôt. Ciao ciao.